On dit les gens, et c'est légendaire, c'est ça? Oh, ouais, encore. Encore, c'est la Bonjour. deuxième fois, salut. Bonjour à Ok, tous. bonjour, bonjour. Merci d'être là avec nous. On est là à Paris avec François Momont pour Adobe Live. François, bah, je suis un super fan de son travail. Il est incroyable. Il fait des dessins pour les concepts, pour les caractères, pour les personnages, pour les BD, pour les magazines. Oui. Quoi d'autre? Je suis partout. Il est partout. Il est très connu. Non. Bon, pour moi et pour les gens qui aiment dessiner et qui sont des fans, hein, ils aiment bien le travail de François. Et comme tu vois, maintenant je parle français, c'est un peu dur. Alors, si j'oublie des mots, des fois, je dois chercher dans le cerveau. Tu peux m'aider, François. D'accord, oui, je mélangerai les mots. Excellent. Tu te débrouilles très bien, t'inquiète pas, c'est Ah, vraiment merci bien, merci. C'est bravo, trop, trop très sympa. bien. Alors, on va dessiner pour vous ensemble aujourd'hui. On va dessiner un peu peut-être des personnages de Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Est-ce que Avec je plaisir. prononce C'est correctement? parfait, Tolkien. c'est parfait. Eh Tolkien, oui. Tolkien. Tolkien. Ok, Tolkien. Franck, il nous a dit que... Franck est là aussi, mais Je suis vous... là, je il m'entendais est un là peu, mais de loin. pour produire cette émission. Oui. Et oui, alors, on va commencer avec une petite histoire qui êtes-vous? Oui. Ok. Ouais. Bah alors moi c'est François Momont. Oui. Je suis illustrateur indépendant, donc je bosse de chez moi. Ça fait quoi? Ça doit faire un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'illustration. Pas 100 ans? 100 ans, 100 ans, 100 ans, c'est vrai. Avant, je faisais du dessin animé. J'ai bossé dans des différents studios parisiens, anglais, sur différentes productions. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, Oui. parce que c'est épuisant. Et puis, vu que je suis quelqu'un de calme et un peu paresseux, j'aime bien être tranquille, quoi, et surtout à faire mes propres dessins, et, inventer mes petits univers, mes petits trucs, quoi. Et voilà quoi. C'est ça la rêve pour les artistes, c'est de faire les trucs qu'ils aiment bien dessiner, Oui. de produire le travail qui est pour eux. Et de trouver des gens qui veulent nous payer pour ça, Oui. c'est la rêve. Et toi, tu as la chance parce que c'est exactement ce que tu fais maintenant. Tu fais des dessins, tu as des clients, mais tu fais des dessins qui sont surtout pour toi, non? Oui, C'est le clairement. style que tu aimes bien, c'est unique Oui, et bah voilà. les différents clients ou productions viennent me chercher pour mon style quoi maintenant. Oui. Et bon, bah, il y a eu des mois compliqués quand même, hein. C'est pas non plus facile. Mais Ouais. maintenant ça roule. Ça roule, Maintenant ça ça roule. gaze. Ouais, je reconnais que ça roule quoi. Alors, est-ce qu'on peut regarder un petit peu ton travail ici sur Instagram? Waouh, Et oui. on va parler un peu de ce qu'on voit sur l'écran. Et on est là maintenant sur Instagram et on voit que tu fais plein de choses, mais il y a toujours la voix unique, la voix de François Momont. Et je veux commencer avec ça parce que ce que j'adore, c'est de voir la texture dedans. Ah oui. Et ça, c'est un des détails, mais si on va passer comme ça, tu vas voir toujours ces détails. Et je veux te demander, comment est-ce que tu as fait cette illustration? C'est quoi le procès? Ah oui. Comment faire? Alors déjà, bah moi je bosse principalement sur papier. Oui. Donc là c'est comme on dit du traditionnel. Et donc oui, j'avais travaillé comment ça? C'était j'avais fait une sorte de pochoir avec un plastique adhérent qui sert normalement à faire de l'aéro. Et bah, j'avais un peu détourné le système en découpant la forme de la statue et après avec un petit brossage léger, une brosse sèche, Oui. légèrement trempée dans de l'encre de Chine. Bah, j'avais réussi à donner des petits coups de pinceau, quoi, et puis donner un peu de relief, et voilà, quoi. Et pour le gris, j'avais utilisé une petite poire pour projeter des pigments de feutre. Oui, ces petites parties C'est tout ici, un comme ça. système, hein. Oui. Non, mais c'est trop cool parce que c'est ça que j'aime bien de travailler avec des médias, médiums. Comment dire, les matériaux différents. Et comme ça, tu as des parties qui sont plates, plus nettes,
Et les autres parties qui sont plus avec plus de texture et tout ça, et la combinaison des les deux, ça marche super bien. Et aussi, on a un style ici, mais ça, c'est complètement différent. C'est vraiment la ligne, pardon. C'est de... On peut changer ici comme ça. Voilà. On voit... Ouais, c'est un peu le contraste entre le truc un peu sérieux et... Oui. Ouais, des petits bonhommes, quoi. Petites... Et pour la couleur, c'est quoi? Est-ce que c'est des marqueurs de aquarelles, des marqueurs? C'était des marqueurs à l'époque. Mais là, je la fais plus maintenant, cette façon de mettre en couleur, parce que c'est quand même fastidieux, ça demandait du temps. Et moi, j'aime bien avoir un rendu rapide. Oui. Et donc, bon, c'était même pas nécessaire. Quand je revois maintenant le dessin, je me dis, tiens, j'aurais peut-être dû le faire directement au feutre. Parce que là, c'était encore avec le système de pochoir. Oui. Je me prenais un peu la tête à ce moment-là. Et moi, je suis content d'avoir trouvé une autre technique que je montrerai après, d'ailleurs, pour mettre en couleur plus rapide. Est-ce que on peut regarder ça, par exemple? On peut tout regarder, Kyle. Bah oui, ok. Parce que moi, j'aime bien ça. Je vais cliquer où je veux, partout. Clique partout. Oui. Et c'est trop marrant comment c'est fait. Il y a beaucoup d'humour. Oui, il y a d'humour. Oui. Oui, ouais, dedans. Dans tes dessins, il y a toujours beaucoup de personnalité. Oh là là. Tous les personnages, même les chiens. Regarde, oui. Qui fument. C'est trop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah alors ça, c'était pour un collectif d'artistes qui s'appelle donc Parisianer. Oui. Et c'est un peu chaque année ou tous les deux ans, The Parisianer, qui sont constitués de deux personnes, Michael et Aurélie, demandent à peu près une centaine d'artistes de couvrir un événement ou de... voilà, quoi. Oui. Donc là, bon, c'était pour les JO. Il faut pas dire JO, mais parce que, bon, c'est pour les JO. Et donc là, moi, j'avais pris le judo. Et donc, ils sont ces deux femmes qui se saluent autour d'une bouteille de vin. Et j'aurais voulu que le serveur fasse plus arbitre. Mais bon, finalement, il est juste en train d'amener du vin. Bon. Son visage. Mais c'est incroyable de communiquer les émotions avec seulement trois lignes. Et c'est un talent. C'est quelque chose qui c'est difficile à créer. Des personnages, des visages qui ont personnalité, qui ont des émotions. Ah, ok. Oui. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets le moins possible. Avant, je mettais du blanc pour faire les yeux, mais maintenant, je fais que des points. Simplement des points. Il y a de moins en moins. Bah, c'est l'école Sampé, hein. Faut regarder Sampé. Sampé, oui, elle est incroyable. Bah, Tintin. Ah oui, oui. Regarde comment ça marche, même avec des... Ouais, ouais, bah, faut en mettre le moins possible, je pense. Oui. Et puis ça marche, je sais pas trop. Oui. Petite ligne pour la bouche. Tout ça, c'est... Ah, ouais. Vraiment, on comprend exactement comment il est, les sentiments, quoi. Ok. Oui. Ouais. Et aussi, je vais demander, est-ce que pour les couleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, d'avoir le choix C'est mon ami Vincent May qui m'avait dit ça, et je suis resté là-dessus. Il m'a dit. Oui, il est incroyable. Vincent, il y en a plein, mais Vincent, évidemment. Ouais. Il m'avait dit, il faut, pour qu'une illustration soit élégante, il faut limiter à 3 couleurs max, quoi. Ah, intéressant. J'ai jamais entendu ça. En bossant avec des petits camaillots ou quoi, mais moins tu mets de couleurs. Oui, et puis surtout, il faut laisser du blanc. Ça, c'est le truc. Faut travailler le vide. Tu laisses du vide et tu mets peu de couleurs et en général, ça rend même si, bon, tu vois, c'est un peu potache, quoi. Bon, c'est pas avec des chiens qui fument et tout. Oui. Mais si tu mets peu de couleurs, finalement, ça rend l'image générale un peu élégante. Et c'est de la triche. Alors, est-ce que je peux voler cette idée? Oui! Cette technique, pourquoi? Vol et clique partout, bien sûr. Je vais le faire. Bon, on a un autre ici, mais c'est complètement différent parce que c'est pas livre. Toi. Non, c'est le livre. Mais c'est le livre. Est-ce que je peux acheter ça parce que je veux? Oui. Okay. Oui. Ah oui, d'ailleurs, y a tous les dessins en ce moment sur le qui sont exposés sur les grilles de l'hôtel de ville de Paris. Ah oui, maintenant. Je vous invite à faire une balade. Il fait beau. Est-ce que c'est proche de où nous sommes là? Là on est dans les beaux quartiers. Oui, ça va. Oui, ça va. Ah, il faut. Mais tu vas y aller après. Je vais le faire. Oui. Proche des Masterclass IMAG. Ah ouais, bon, ouais. c'est proche des Arles. Ouais. Cool, excellent. Alors, je vais bouger un peu à ici
Ah oui, tiens. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu récemment dans ton travail. Oui. C'est champignons et c'est, ou c'est, bah, tu vois, pareil, oui. Un peu de couleur, tu vois, pof. Des arbres. Non, il n'y a pas beaucoup, mais ça marche très, très, très bien. C'est presque des primaires. Bon. Oui, mais ouais. Pas vraiment rouge, c'est plutôt rose. C'est un peu désaturé. Oui. Et bah oui, alors je sais plus ce qui se passait là à ce moment-là. Bah je sais plus, c'est j'ai dessiné ça comme ça. J'avais envie de faire des gros champignons, bon bah comme tous les jours. Non, et puis j'ai placé une petite voiture devant parce que je sais pas trop ce qu'elle raconte cette image, mais je l'aime bien. Et c'était complètement personnel ou c'était pour quelqu'un? Ah non, ça c'est pour moi ça. Pour toi, ouais. C'est trop cool ça. J'imagine que quelque chose comme ça peut être une partie d'une histoire. Une histoire très fantasy, je sais pas. Bah, c'est vrai que quand je travaillais dans le jeu vidéo, oui. On m'a demandé de produire des images comme ça, un peu irréalistes comme ça, pour donner des idées, quoi. Oui. Et peut-être que ça aurait pu correspondre à ça, mais c'est vrai que c'est souvent qu'on me dit que mes images inspirent beaucoup. Alors c'est, moi, je prends le compliment, j'adore, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais, bah, voilà. Donc, peut-être que celle-ci t'inspire. Ah, excellent. C'est je sais pas si c'est un mot en français, mais c'est sophistiqué. Oui, c'est ça. Il y a comment c'est fait avec les couleurs. Et je voulais juste demander aussi parce que c'est une technique que j'aime très très bien. Ah. C'est en anglais on dit subtractive. D'avoir quelque chose, d'utiliser peut-être les gants. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. Et c'est trop bien comment ça marche. Stylo d'ailleurs, où est-ce qu'il est, c'est avec ce petit stylo que je fais. Tu peux nous montrer ce que c'est très très petit, très petit. La caméra de Franck peut nous montrer. C'est la gomme très très petit, très précis. Là, c'est dur. Tu peux voir. Ah oui, voilà, tiens, toc. On va l'utiliser, parce qu'il n'est pas encore servi. Ah voilà. Maintenant, tu peux voir. Regardez-moi ce stylo. Oui, c'est cool. Hein. C'est une petite gomme et on peut faire des petites précisions. Je vois ça moi-même pour mon travail. Alors, bon, on va continuer un petit peu. Et parce que je veux trouver, on est presque là, quelque chose que tu as fait récemment, c'était pour... Ah oui. Bah, voilà. Tu peux parler un peu de ce projet Donc, c'est Star Wars. Star Trek. Oui. Ah oui, alors ça, c'est une aventure de longue haleine. Il y a longtemps, moi, pendant la grande maladie mondiale, je m'étais isolé dans le Hobbit pour être mentalement stable. J'avais besoin d'un truc d'enfant que j'aimais bien, et c'était le Hobbit. Et en le lisant, je me suis dit, mais attends, ça donne envie de dessiner tout ça, quoi. Et j'ai fait plein de recherches du Hobbit, plein, notamment peut-être celle-ci, je sais plus dans quel carnet c'est. Mmh. Et j'ai filmé mon carnet. Ah. En présentant chaque petit dessin, tout ça. Ah, je sais pas. Et oui, attends, mais c'est une saga que je te raconte, là. Et il y a l'édition Gallimard. On a seulement une heure. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Est tombé sur le carnet en question et s'est intéressé à ça. Ils ont dit, mais attends, toi, t'as envie d'illustrer, mais c'est une bonne idée. Oui, mais t'as fait beaucoup. Ah oui, j'en ai fait combien? J'en ai fait plein, j'ai rempli des carnets. Je sais pas, j'étais juste à penser qu'à ça pendant la maladie, quoi. Oui. Et la pandémie. Et puis, finalement, donc, j'ai été repéré par Gallimard qui m'ont dit, ouais, viens, on fait un dossier, on propose ça, je te la fais courte. Ouais. Et le dossier est parti chez les ayants droit. On attend une nouvelle. Excellent. Je croise mes doigts d'elfe pour que ça marche. Oh, wow. OK. Nous bon, aussi. Là, on attend une nouvelle. Moi, j'y commence de moins en moins y croire, mais bon, ce serait top que ça se fasse. Oui. Parce que voilà, quoi. Je connais le sujet sur le bout des doigts. Maintenant, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que j'adore de ces dessins, c'est on a des personnages, des caractères que tout le monde connaît, tout le monde. Pendant plus que quoi, 60 ans, non plus que ça. Je sais pas. Oui. Presque 70 ans. Ouais. Et de prendre les personnages, les caractères que tout le monde connaît et d'essayer de les dessiner dans un style avec une personnalité qui est nouveau. Ben merci. Oui. C'est très, très difficile. C'est un challenge. Ah. Mais tu l'avais fait très, très bien. Avec vraiment beaucoup de succès. Ah ouais, c'est gentil. Je vois. Et la chose qui est aussi très, très cool, c'est que je sais immédiatement, c'est Gandalf, c'est Bilbo, je sais, mais
C'est ton style, c'est ton interprétation de ces personnages. Okay, ouais, ouais. C'est cool, ça. Ouais, ouais, bah ouais. En tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à les dessiner. Bon, maintenant, j'ai d'autres projets. Et puis, là, ce que je racontais, c'est bien... Il y a plus de 2 ans que c'est dans les tuyaux, ce truc-là. C'est vraiment très long à avoir des nouvelles et tout. Mais oui, je prends toujours plaisir à les relire et tout. Enfin, à relire ce livre. Le Seigneur des Anneaux, un peu moins. Ça m'embête un peu, mais Bilbo, c'est top. Et oui, voilà, moi je me les suis approprié, quoi. Oui. Parce que c'est comme des copains. Oui. C'est comme des copains. Parce que oui, tu les dessines et tu prends beaucoup de temps avec eux, c'est presque comme ils sont une partie. Ce sont des copains. Hein. Voilà. Et aussi, la chose que je voulais te demander, c'est la dernière chose qu'on va discuter avant qu'on va commencer à dessiner et regarder aussi tes esquisses. Oui, j'ai ramené. Mais je voulais juste te demander, est-ce que, pour les gens qui veulent dessiner avec un style qui est un peu moins net, moins tight, comment dire, tight, pas si... pour simplifier le trait aujourd'hui. Oui, ouais, aussi d'avoir un peu plus d'énergie dans les dessins, mouvement et tout ça, avec les marques. Oui, tu vois que ici, par exemple, de faire les lignes comme ça, et des lignes comme ça pour le bras, c'est pas facile. Les gens, ils voient ça, ils disent... Ah, mais c'est simple à faire, mais non, c'est difficile. Comment arriver à ça? C'est 1000 heures de dessiner. Oui, non, c'est vrai que ça fait longtemps que je dessine aussi. Oui, exactement. J'essaie aussi de pas m'endormir sur un style. Ou bien quand je me dis que ce style est établi, que j'arrive à le maîtriser, j'ai envie de progresser, quoi. J'aime pas rester statique dans mon dessin. Tu changes tous les ans. Peut-être pas tous les ans, mais j'essaie d'évoluer quoi sur ma façon de dessiner, donc c'est sûr que j'ai l'impression de peut-être que je me gourre mais d'une évolution, tu vois. Oui et ce qui fait que ces codes que tu peux voir de gribouillage ou quoi, je les ai aussi repris sur ce que j'ai vu, sur ce qui m'entoure, mes influences ou quoi. C'est un peu de tout quoi, mais je pense que s'il y a un truc physique. S'il faut changer sa façon de dessiner ou quoi, il faut prendre son outil un peu de loin. Ah bon, au lieu de rester très proche de la... Enfin, moi, je dessine à la plume et même au crayon, quoi. C'est bien aussi d'éloigner un peu sa main. C'est cool, ça, de dire que simplement de changer la distance entre... Non, mais c'est moi, ça a marché. Alors, je sais pas si c'est pour... Je sais pas. C'est vrai, parce que comme ça, immédiatement, tu fais un marque différent. Tu dessines un peu de loin, t'es obligé de t'éloigner de ta feuille, et tout de suite, tu trouves des petits codes, des petites astuces de gribouillage qui peuvent plus ou moins marcher, quoi. Mais au moins, ça te réveille la main d'une autre façon, tu vois. Oui, ouais, c'est logique. Changer la façon de dessiner physiquement. Et l'échange... Sans trop réfléchir, un peu de distance comme ça. Et l'échange, je trouve, pour les artistes, toujours, l'échange sont normalement sont organiques. T'as dit évolue. Quand les choses évoluent, c'est pas comme si tu dis, bon, ce matin, je vais changer ça. Oui. C'est juste quelque chose qui vient, oui puis lentement. Aussi, il faut regarder aussi des choses qui te semblent belles, quoi. C'est bien aussi d'ouvrir son œil. Moi, je sais que je m'étais perdu dans des mauvaises refs. Et j'ai mon ami Michael Bataille, qui est un sculpteur de talent. Que j'avais rencontré à un studio d'animation, m'avait dit, mais arrête avec ça. Il m'a présenté des dessinateurs qui maintenant sont avec moi, quoi, vraiment. Cool. Et je pense à Beuville, Georges Beuville, à Gus Boffa, par exemple. Enfin, c'est des patrons, quoi, mais moi, je les avais pas sous les yeux à cette époque-là, quoi. Bubon Sampé, et puis Ronald Searle, évidemment. Mais quand on te le dit pas, on peut vite se perdre, tu vois, dans les mauvaises refs. Et puis t'as l'œil qui va avec la main, quoi, tu vois. Donc tu vois la chose qui va pas, tu vas la reproduire un peu. C'est bien aussi de parler autour de soi, de bonnes refs. Mais là, je viens de vous donner les meilleurs. Faut rester là-dessus. Hein, vous embêtez pas. Ah, si, il y a Edika. Non, mais tout ça, c'est des conseils très très importants et utiles pour les gens qui regardent. Merci. On va regardez, oui, si on peut, des esquisses, parce que c'est trop cool de voir comment tu travailles dedans. Ça, c'est mon carnet. Donc, je suis en train de... Là, la caméra, elle est dessus. Ouais, c'est bon. Je suis en train de bosser avec un type. Il veut pas trop, mais bon, je le montre quand même. Et on va faire un livre ensemble.
de fantasy. Et donc ça, c'est un projet en parallèle d'un gros livre que je suis en train de faire en ce moment aux éditions Sans Dessus Dessous. Et donc là, c'est un autre projet qui, donc, comme je dis, en parallèle, quoi. Ça prendra le temps qu'il faut, mais je prends beaucoup de plaisir en ce moment à développer des personnages avec son idée de base. Il enchaîne les chapitres et tout. Et bon, bah, je vous montre un peu comme ça en discutant. Alors, c'est surtout des petites idées de personnages, de situations. Voilà. C'est intéressant de voir quand je vois plein de gens qui dessinent toujours avec des esquisses avant d'utiliser les encres. Mais toi, ouais, mais des fois, tu dessines immédiatement sur papier sans esquisse. Mais d'ailleurs, j'essaie de bah, tu vois, là, on voit qu'il y a du bleu, là. Je sais pas si on le voit, mais là. Des fois, mais c'est rare. Mais maintenant, je l'enlève. C'est une étape en plus. Et puis surtout, on perd, bah, c'est le classique, hein, mais on perd un peu de spontanéité, dans le dessin, quand il faut repasser sur son crayonné, quoi. Et même à la table lumineuse, hein. Moi, je sais pas. Je dessine, ça, c'est ma fille qui a fait oui, ça. Oui, ta fille. Coucou, Lisou. Elle a du talent déjà. Et j'essaie de limiter les étapes pour gagner du temps, quoi, parce que finalement. Mais d'avoir, je veux dire, excuse-moi, mais d'avoir l'habilité de tourner les formes, les objets dans l'espace, tu sais, d'avoir la compréhension de quelque chose qui est en 3D, comment le manipuler et de dessiner, ce n'est pas facile. C'est peut-être l'école, enfin, vu que j'ai fait du dessin animé, un peu d'anime ou quoi, c'est vrai que peut-être que ça m'a facilité la vie pour réfléchir en une sorte de trois dimensions. Bon, après, moi, mon dessin, c'est pas vraiment de la perspective, hein. C'est souvent quand même des petites astuces et des triches. Enfin, je crois que c'est le dessin en général, hein. Faut savoir tricher un peu. Et, mais de tricher d'avoir la compréhension d'abord et de comprendre exactement comment les formes marchent. Après ça, tu peux inventer, tu peux tricher, tu peux, tu vois. Oui, c'est vrai, ça peut, c'est pareil, hein. C'est vrai que je dessine beaucoup, moi. Moi, je dessine tous les jours, tout le temps, le matin. Moi, l'après-midi, j'aime bien dormir, l'après-midi. mais le matin, c'est le temps de dessiner. Ouais, le matin, c'est bien, ouais. Avec l'odeur de café, et puis voilà. Et le soir, quand tout le monde dort, ça aussi, c'est chouette. C'est super, hein. Ah oui, alors ça, j'ai repris d'une pièce de théâtre qui m'a été conseillée par une amie qui s'appelle Cécile Dupuis, qui est très forte aussi. Et on allait voir une pièce de théâtre qui s'appelle Péplum médiéval, et c'est vrai que bah moi j'ai en ressentant de là, j'ai adoré. Et bon, ça c'est vraiment les héros du. Et moi je suis curieux, je vais juste te demander comment tu as fait ces parties qui sont gris. Ah oui. C'est avec crayon ou... C'est du pastel. Je prends du pastel sur mon doigt et j'étale bêtement comme ça. Ah, avec le doigt. Oui, oui. Ah, c'est après, cool, je gomme. Trop cool. C'est mon Photoshop à moi, ça. Oui, oui. C'est ma brosse. Mais des fois, tu utilises Photoshop aussi pour la couleur et les autres parties. Oui, oui. Ouais. Bah, là, c'est vrai que quand je fais de l'édition, j'ai le temps de dessiner, tu vois. J'ai le temps de me poser, de me dire, tiens, moi, je vais griffonner des trucs et tout. Mais le Photoshop, je l'utilise principalement pour la presse. La presse, et surtout, c'est quand même une étape en moins de scan. Puis même quand il y a des corrections, il y a souvent des corrections quand même. Il y a des retours, genre, ah tiens, on a montré à toute la rédac, sur la une, ça va pas, il faut que tu changes ceci, cela. Et je parle peut-être un peu trop vite. Non, pas du tout. Excuse-moi. Non, ça va. Je comprends. Parler, c'est le problème pour moi. De comprendre, ça va. Je m'inquiète. Et donc, bosser sur Photoshop me fait gagner du temps. Pour les différents clients, tu vois, je m'adapte. Oui. Et donc, pour la presse, c'est parfait. Mais tu dessines pas en Photoshop, tu fais seulement les outils pour sélectionner les parties, changer un petit peu les couleurs, mais aussi dessiner. Ouais, j'ai ma Wacom et je dessine. Ah, t'as un Wacom? Ok. Et j'ai des outils simples de brosse classique. Moi, j'utilise pas grand chose à part une. Alors, toi, tu avais fait à l'époque une brosse géniale. Hein, c'était quoi? C'était pas sur Fresco, sur Photoshop. C'est une brosse aquarelle. Ah oui. Que je peux agrandir facilement et sans qu'on perde en matière et tout. Elle est parfaite et je m'en sers souvent. Ok. Pas trop bien. J'ai fait plein de brosses d'aquarelle. Je sais pas. je te donnerai la règle. Je me souviens plus. Mais je vois. Oui.
Et voilà, bah, je continue à tourner les pages, je m'en arrive au bout. Ah, il y a des petits cochons. En ce moment, j'aime bien dessiner des porcs. Je veux parler de quelque chose qui Vas-y, est dis-moi. pour les gens qui regardent. Des Oui. fois, ils voient les gens sur YouTube, sur Instagram, ils ont les cahiers d'esquisses, avec des dessins qui sont complètement finis, et la Ah. composition incroyable, tout ça. Ah Mais oui. toi, tu utilises cahiers d'esquisses pour les idées, pour les esquisses. Oui, Il y a oui. plein de dessins sur la Ouais. page. Et moi, je trouve que ça, c'est la raison pour avoir un cahier d'esquisses. C'est pour ça. Et je crois que c'est intimidé pour les gens qui regardent les YouTube et les Instagram avec les gens qui sont, oh, regarde mon cahier d'esquisses. Et c'est bizarre parce que chaque page, c'est un masterpiece. Ouais. Ce n'est pas normal, ça, Bah, mais je je crois que, l'ai, oh, je bah. peux pas dessiner dans mon Oui, cahier parce bah, que. c'est le fameux, il faut désacraliser un peu le carnet de croquis. Exactement, On oui. en a vu beaucoup, en fait, des très beaux, c'est sûr. Avec des dessins finis, tout ça, c'est un peu intimidant. Oui. Je dis pas que ça, je peux, enfin, je pense que je pourrais le faire maintenant, mais Mais c'est. j'ai eu ça, moi, longtemps. Hein. Le PM m'a racheté un carnet, en me disant, ah, mince, j'ai raté, il faut que je rachète un carnet. Donc, Oui. Rougier et Play s'est fait beaucoup d'argent grâce à moi. Et en fait, je pense que pour désacraliser le truc, il faut dessiner sur du papier pas noble du tout. Il faut dessiner sur du papier recyclé, Oui. du zapbook, tu vois. Et puis surtout, faut y aller, quoi. Faut dessiner beaucoup. Oui, Moi, oui, c'est oui. ça, hein, c'est dessiner beaucoup, Mais quoi. c'est nécessaire que les dessins que tu fais pour toi-même, pour des idées, pour faire des aventures, c'est ça, aventures, explorations, je sais pas comment dire. Ils sont pas précieux. C'est juste des idées et tu fais des Ouais, enfin, expériences et tout ça et oui, voilà. faut lâcher le truc, quoi. Faut se dire, je dessine un peu, et puis, moi, je sais que ce qui marche bien, c'est de mettre YouTube en fond, ou un film. Alors ça, c'est parfait. D'avoir l'esprit pas totalement concentré sur son dessin. Toujours avoir une petite distance. Intéressant, ok. Ouais. Et puis, ouais, je renouvelle l'idée, mais vraiment, pour changer un peu de style, ou changer sa façon de dessiner, de prendre Oui. l'outil un peu loin. Peut-être pas autant, mais pour ces caricaturales, ce que je fais, mais Oui. dessiner d'un peu plus loin sur son outil, je Uh-huh. pense que ça peut marcher, quoi. Enfin, moi, ça m'avait aidé un moment, donc bon, si vous êtes bloqué, peut-être que voilà. Alors, est-ce que tu veux dessiner un peu ou est-ce que. Allez, Oui, on peut, dessinons, parce que on a parlé dessinons. avant qu'on a commencé de peut-être faire des dessins des personnages de Lord of the Ouais, avec Rings, de plaisir. Hobbit, peut-être Avec plaisir. Gandalf ou quelque chose comme ça. Eh oui. Ça marche pour toi? Ça me va tout à fait. OK. Ouais. Et moi, ce que je vais faire, c'est d'utiliser l'iPad. Oh, Ah oui, c'est est-ce vrai qu'il y qu'il en a a. des questions, Franck, des gens? Ouais. Il y a une question de Jean Simoulin qui dit, mais alors, tu t'es coupé en 3 ans? Non, ah oui, bah c'est mon pote JE, ça. Non, alors l'histoire, c'est que j'ai fait tomber. Enfin, je me suis fait attaquer par un livre la nuit. Il est tombé sur ma tête. Et c'était une petite. La tranche était. Enfin, la couverture était assez tranchante. Salut Jean! C'est mon pote qui posait question. Ah, cool. Jean Simoulin. Et après, tout le monde trouve que les illustrations sont top. Nicky demandait si c'était toujours à la main, donc t'avais déjà répondu. Oui. Et tout le monde adore ton travail, donc je pense qu'effectivement, on s'y met. Donc, Oh, bah merci, c'est gentil à tout le monde. tout le monde et moi aussi, je suis. Ah, ok, Oui, oh ça là fait là. très très longtemps que Qu'on se j'étais suit. en train de regarder par Instagram et Twitter et dire, oh mon Dieu, Ah, comment faut il pas que je bouge dessine, ça. ce Ouais. mec. Attends, on m'a dit qu'il fallait pas trop que je bouge mes affaires. Oui, Hop. d'accord. Et moi, je vais utiliser iPad, mais quel personnage est-ce qu'on va dessiner? Je sais pas, on avait dit Gandalf Gandalf. ou ce nabo de. Enfin, le comment Bilbo, peut-être. Bilbo, Moi, comme bon. tu veux. Moi, tout me va. Et ce que je vais faire, c'est d'essayer simplement de faire des dessins qui ont. On veut que le style n'est pas trop digital, quoi. Je sais pas comment dire, mais je veux essayer d'imiter peut-être les matériaux qu'il utilise à François Ah en ce oui. moment, l'encre et des marqueurs, des aquarelles, des choses comme ça, pour faire un dessin aussi. Mais tu vois comment il commence immédiatement, et voilà, on a le chapeau. Ah, là on est là, nous, c'est ça là. Ouais. Ah, coucou tout le monde. Ah, ça fait Mais bizarre. je veux pas faire ça, non? Parce que comme ça, on peut pas Ah voir oui, ce qu'il non. dessine. On est trop mimi.
Alors, Bilbo Baggins. T'avais quel âge quand t'as lu La Bête? Pardon? Oui, je peux. Voilà. J'avais quel âge? Je me souviens tout à fait de ma première rencontre avec Bilbo. J'étais en sixième et il y avait un type qui était perché sur une grille un peu bizarre en train de lire le livre. Vincent Lecieux, je me souviens. Coucou Vincent, je sais pas si ça fait longtemps. Et il lisait ce livre avec marqué Bilbo le Hobbit. J'ai trouvé ça ridicule. Oui. Et je me souviens que je m'étais moqué de lui. Bon, c'était un copain, donc c'était pour charrier, quoi. Et oui. Des années plus tard, je dirais non, des années peut-être en quatrième, j'ai ouvert ce livre et bah, finalement c'était très bien. Et je lui ai pas dit que c'était grâce à lui, donc bon, bah, je lui rends hommage. Pour moi, c'était un prof que j'avais quand j'avais 13 ans qui nous a donné ce livre pour tous les étudiants, et c'était nécessaire à lire, c'était une partie du cours. Oui, trop cool. Et comme ça, oui, j'ai... Et c'était où? Ça, c'était en Singapour. Ah oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait, nous? Ouais, le classique. Oh, génial, de lire Bilbo d'office. Je ne me rappelle plus ce qu'il porte, Bilbo. Alors, pour moi, ça va être très, très simple. Ah oui, il est bien ton Bilbo, là, aussi. Ah, merci. Attends, je vais faire Bilbo. Je vais peut-être pas faire des personnages en entier. Hein. Je vais rester sur le côté croquis. Je crois qu'il a... J'ai pas encore dessiné vraiment aujourd'hui. Je suis encore un peu rouillé. Et j'ai bu du café aussi. Beaucoup. Moi, pas assez. C'est vrai? Non. Oh. J'ai besoin d'un autre. C'est fantastique. Le café. Moi, je trouve que oui, exactement. Pour moi, les idées, ils viennent très rapidement. Très rapide, c'est ça? Rapidement. Avec du café. Oh. Ronald Searle, il disait que lui, c'était avec des coupes de champagne. Il disait que les petites bulles, j'ai vu une interview où il dit que les petites bulles lui donnaient des idées. Alors j'ai essayé, mais bon, moi ça m'endort. Ouais, moi aussi, oui. Comme il est Bilbo. Ah, ça fait bizarre de dessiner en... Bon, j'oublie la caméra. Oui, ce n'est pas là. Oh, je vais changer de stylo. Je sais pas ce que je fais. Mais... C'est juste... Non, mais il a un manteau, non? Qui est un peu plus loin. Il a une petite... Langue, pardon. Pardon, hein? Il y a aussi un capuchon, là, tu sais, qui avec une petite capuche et un chaperon, quoi. Une sorte de petit chaperon rouge. Attends, je vais te montrer. Alors, pour les gens qui regardent, qui veulent utiliser Fresco pour ça, si tu tapes avec le droit deux fois, touche deux fois sur ce cercle qui est là, tu peux utiliser la brosse que tu as déjà comme un gomme. Un gomme, une gomme. Une, merci. Et voilà, tu peux voir que je peux faire des choses, des trucs comme ça. Je peux couper, changer. C'est très cool d'avoir ce pouvoir. Oh, t'as des pouvoirs? Oui. T'as des pouvoirs? Et tu tapes deux fois encore et maintenant tu dessines encore. Facile. Ça paraît facile, oui. Oui, trash. Et c'est un peu comme tu triches, mais avec les dessins numériques, tu triches un peu chaque fois que tu les fais. Alors, c'est... Il n'y a pas de Command Z, comment dire, il n'y a pas de Undo. Non, il n'y a pas de Undo. Ils sont... Avec les, oui, les stylos. Mais ça ne tombe pas en panne. Il faut reconnaître que j'aime bien ça. Mm. Et puis, il y a un bruit aussi que je retrouve. Moi, j'aime bien quand ça gratouille un peu sur le papier. Quand même. Moi, je trouve pareil, c'est plastique sur la verre. C'est pas génial. Ouais. Mais avec les matériaux,
Je sais qu'on peut imiter un peu le toucher du papier avec certaines pointes de stylet Wacom, je me souviens de ça, pour que ça accroche un peu. Je l'ai chez moi, c'est pour mon stylo, c'est la partie qui est, comment dire, tip. La pointe, c'est juste là. Oui, Et c'est un bouchon, non? c'est felt. Alors, c'est une sorte Le feutre. de fabrique, je crois, non? Le feutre. De feutre? Ouais, c'est le feutre, en fait. Feutre, ok, voilà. Et c'est ça. Et je préfère ça. Mais ce n'est pas pareil. Mais aussi en fresco, si tu veux, tu peux utiliser les gommes différentes, comme ça. Tu vois, je tape, je touche, je tape, et je reste. Et maintenant, j'ai des autres options. Et je peux utiliser gomme. Et j'aime ça. C'est sympa. Un peu de texture. Là, il y a des Et poils aux pattes. c'est cool. Oui! Tout à l'heure, j'essaierai de mettre mon petit dessin en couleur, mais j'espère que ça séchera. Remarque, il fait bon. Il Peut-être fait chaud. qu'il fait chaud. Alors, pendant ce temps-là, j'ai une question de Gérald qui demande: qu'est-ce que tu utilises comme stylo plume? Et n'hésite pas à répéter ma question si on n'entend pas du tout. Gérald. Alors, cher Gérald, j'utilise un, celui-ci, c'est un Falcon, c'est un Pilot Falcon que j'avais à l'époque importé du Japon. M'a coûté cher, mais j'ai vu qu'il maintenant il y en a en vente à Sennelier, à Paris, sur les quais. J'ai pas regardé le prix, mais j'ai vu qu'il y en avait. Si tu veux aller te ruiner là-bas, tu seras le bienvenu. C'est cool de répondre à des questions comme ça. Oui, Ouais, et c'est sympa de savoir qu'il y a des gens qui regardent et qui ont oui. des idées, des questions. Oui, et si tu regardes pas, vous regardez pas ici en France et vous regardez de notre partie du monde. Ah ouais. Dites, oui, dites, nous, s'il vous plaît. D'où on est? Qui vient d'où? Qui vient d'où? Alors, je commence et maintenant, comment dire, je suis un peu, I warmed up a little bit. Car il est chaud. Et comme ça, je peux faire quelque chose qui est un peu plus. Un peu plus d'énergie. Est-ce qu'il y a un chapeau? Il est beau. Dans les Non, bouquins, non. mais j'avais dessiné avec un petit chapeau. Moi, j'aime bien lui mettre une petite fleur ou quoi. Ok. Je crois qu'il, ouais, il est mentionné au début du livre qu'il a un chapeau. Ah oui? Je vais faire une pause avec plus d'action. Il va courir. Pour moi, des fois, c'est plus facile à penser avec des lignes, pas des formes. Ah oui. Est-ce que c'est pareil pour toi ou les deux? Comment je procède? Je dessine de moins en moins avec les formes. C'est vrai que maintenant, c'est mon outil en ce moment. J'aime trop dessiner avec mon stylo plume. Oui. Donc oui, je réfléchis en ligne, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai fait quelques fois. C'est un bon exercice aussi, hein, de bosser en masse. Oui. Seulement, il faut que ça sèche ou quoi. Vu que moi, je bosse. Oups, pardon. Je bosse beaucoup sur papier. Oui. Eh bien, attends, j'ai bougé la caméra. Tout est assez. Ouais, non, ça va là. Je remarque, je peux redresser mon. On va faire comme ça. Toc. Et ouais, sur papier, faut attendre que ça sèche et tout. Et si je bosse en masse, ça permet. Enfin, tu vois, faut attendre tout le temps. Et moi, j'aime pas trop. Ah, oh, non, mais il est tout en mouvement, ton guide là. Oui, je voulais faire quelque chose avec un peu de, oui, de action, Action. de, oui, action, action. Action. Oui, ça dépend au sujet, mais pour moi, de penser avec, dessiner avec des lignes, je trouve que c'est un peu plus naturel, plus facile pour moi.
Oui, moi aussi. Hein. Ouais. Bon, on a été élevé à la ligne claire. Je crois que tu es fan de Tintin, ce genre de Oui, choses. alors Et tout regarde-moi. pareil. Elle est où mon téléphone? Alors mon téléphone, j'ai un Un fond d'écran? Ah, t'as un sticker. sticker Tintin? Oui, sur le, oui. Bah oui. Je suis un super fan. On parlait aussi de Little Nemo aussi tout à l'heure. Il Oui, faut oui. tout le temps avoir Little Nemo sous les yeux, quoi. Mais je sais pas si tout le monde qui regarde maintenant, qui nous entend parler de Little Nemo, s'ils savent que c'est. Mais Windsor McKay était un artiste de 20e siècle qui a fait De l'anime aussi. oui, ah oui, Les elle a fait dinosaures et le tout là. dinosaure, c'était quoi Je sais encore plus comment ça s'appelle. le nom, c'était le nom de fille, non? Le nom des Ah oui. dinosaures. Elle avait un nom. Audrey. Je sais Je plus. me. Je sais plus. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Non, oui. Nessie? Non, je sais plus. Non, Nessie, c'est Si, en Nessie, c'est Écosse. ça. Ouais. Mais oui, artiste complet, parce qu'il il était productif aussi, parce que ses Oui. BD, ses petits strips, je sais pas combien de fois il devait en faire Beaucoup, beaucoup. C'était Gertie C'est ou même les pas... dinosaures? Gertie, Gertie! Gertie, voilà, merci. Merci. C'est Franck qui nous aide avec. Merci, Franck. Ouais. Et pour les gens qui sont curieux, qui aiment bien discuter des brosses et tout ça, en fresco maintenant, j'utilise dans la catégorie des esquisses, nouveau fusain. Voilà. Si vous vouliez, voudrez dessiner avec chez vous. Ça a l'air très bien, Fresco. Je vais essayer chez moi. Oui, ça marche bien. Tu me donneras une clé, évidemment, pour que je puisse faire ça gratuitement chez moi. Oh, bien sûr, bien sûr. Il est gratuit. Et il est gratuit? Oui. Mais bah alors, Oui. je savais pas. Non, la plupart des gens ne savent pas. C'est la faute d'Adobe pour ne pas dire souvent que c'est gratuit. Non, ben dis donc. Alors, c'est mieux. Et oui, la plupart des gens qui regardent, qui dessinent, ils doivent savoir que il faut avoir des fois quelques dessins que tu as fait pour être confortable avec oui, cet acte de dessiner de Ouais. parce que oui, c'est comme un instrument, non? Oui, c'est vrai que bon, on se sent un peu rouillé quand on dessine pas pendant, mais même un jour, moi, c'est une nuit. Moi Une aussi, nuit ouais. suffit pour être rouillé parfois. Oui, c'est vrai, des fois, oui. Et puis, certains matins où ça veut pas, où faut prendre le temps, c'est pas facile tous les jours, mais bon, après, je suis pas non plus, c'est pas un métier compliqué, hein. Enfin, Non. si, évidemment, mais c'est pas, je suis pas en train de construire une maison, c'est ça que je veux dire. Regardez tout le monde ce qu'il a fait déjà. Cinq personnages, cinq Oui, personnes. oh non, mais c'est pas... Six, incroyable. Voilà. Et avec, oui, c'est ça J'espère que ce sera pas... la chose qui est difficile, c'est de décider. Mais c'est seulement possible avec l'expérience, avec le temps, avec beaucoup, beaucoup de dessins que tu as fait, Voilà. de savoir comment simplifier les choses. Hein. Je peux communiquer beaucoup avec Ouais, seulement un petit peu. Il faut regarder vraiment. Moi, j'ai regardé les maîtres, quoi. Je dis pas que je me sens pas du tout à leur niveau, mais ils sont inspirants. C'est vrai que Sempé, enfin Sempé, quoi. Sempé est incroyable. Sempé, de Si les très gens ne savent loin. pas Sempé, il faut regarder Ouais, et le puis travail de Sempé. Il a quel âge maintenant? Est-ce bah, qu'il est il mort? a l'âge d'être mort. Bah oui, il est dans sa boîte. Ah bon, d'accord. Il a Il est été rangé mort dans sa boîte. depuis quand? Je crois, je Il sais était pas. C'est dernier. c'était C'est l'été dernier. récent. Ouais. Il y a 2 ans, pardon, 2022. Ouais. Je sais plus quel Ah. âge il avait. Ben, il a dû avoir au moins 32 ans, 80. 90. 90 ans? Ah voilà. Il a bien vécu. Oh. Pas mal.
Et bon, bah oui, et franchement, enfin oui, Sempé au top, parce que pareil, voilà, il synthétise bien son dessin, il y a un message puissant et souvent très très drôle. Oui. Est-ce que t'aimais bien aussi Charles Schultz? Ah oui, alors tu sais que je découvre ça, je savais qu'il était là, hein, mais j'ai jamais trop regardé. Et Oui, là oui. récemment, j'en ai ouvert, c'est Snoopy, c'est ça? Oui. Ouais, j'ai ouvert un album chez mon copain Olivier Pouchelon là, dans son atelier, et c'était fantastique. Enfin, la ligne, Oui. la ligne, elle est magique. Tout, bah là, la synthétique à souhait aussi, les expressions, Oui. mais font, il faut, moi, je pense que pour qu'un dessin soit un peu élégant, faut en enlever quoi. C'est super élégant et c'est une chose qui est un peu comme un tour de magie d'utiliser seulement quelques petites lignes et après t'as un personnage avec beaucoup d'émotions et une personnalité. Et c'est pareil pour Bill Watterson qui a fait Ah Calvin et Hobbes et ouais, ça bah, c'est la c'est Bible absolue. ouais. Puis si j'adore moi ça Moi aussi. j'adore déjà bon, son dessin, mais ce qu'il a fait c'est qu'en plus il a fait c'est une Bible quoi. Oui. Enfin voilà, c'est ma religion absolue, c'est de la philosophie, c'est drôle, Oui. le dessin est attachant. Oui. Et en plus de ça, alors qu'il avait un succès mondial, Oui. il a décidé de ne faire aucun merch Non, pas autour, un seul, pas non. un seul. Non, Alors moi, non. j'ai quand même un pin's dont je suis très fier, que j'ai trouvé, je pense, sur une boutique obscure de marché noir d'Internet. Mais j'ai un pin's Calvin et Hobbes Vraiment? que j'ai. Bah, regarde, attends. Ah bah Laissez-moi crâner 2 secondes. waouh! Oui, pourquoi? Mais ça, là. Toc. Oh, mais c'est Ah. illégal, hein? Oui, c'est illégal. Ouais. Oh. Qu'on vienne me chercher. Et le respect de l'artiste. Oui, voilà, mais bon. Alors qu'il aurait Oui. pu gagner tellement d'argent, je sais pas, rien qu'en, t'imagines, en développant des peluches, quoi. Des peluches Calvin, enfin, Hobbes. Pff. Donc ouais, mec génial. Et Gérald qui demande et qui nous dit d'ailleurs petite pensée pour Akira Toriyama Ah, bah qui est oui. parti il y a 2 semaines maintenant et qui a été annoncé juste là ce week-end. Oui. Ouais, bah oui, Dragon Ball, tout ça. J'ai eu ma larme à la maison, hein, qu'est-ce que tu veux? Et JGJ qui nous demande est-ce que vous ferez un jour une bande dessinée, messieurs? Ah, toi tu ferais une Messieurs, bande, tu te ferais faire alors des nous films. deux, moi, pas moi, Ouais. bah peut-être un jour, mais c'est trop de travail pour moi, je trouve. Voilà, bah j'avais un peu un plan dans les tuyaux avec Sfar et Sapin. Coucou. Et bah je sais pas où ça en est tout ça. À vrai dire aussi, c'est quand même beaucoup de. Enfin, bon, ça peut se faire, hein. Mais moi, je préfère faire des livres jeunesse. Je préfère la presse. Je préfère l'édition. C'est quand même des projets un peu plus courts. Et puis, je sais pas, moi, je préfère. Ça m'amuse plus. La BD, c'est quand même un gros, gros, une grosse machine. Et puis, c'est pas bien payé. Bon, Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. voilà. Très difficile C'est pas bien payé tout ça. d'être, oui. Des fois, si t'as la chance, c'est un bouquin qui est vraiment un hit. Combien de livres avant un hit, quoi, aussi, c'est Je sais Mais bon, pas. bravo à tous ceux qui font de la BD. J'ai un énorme respect pour eux. C'est trop Vous difficile. êtes des fous. Et oui, Donc. mais il y a des gens aussi qui travaillent avec des autres artistes pour faire des BD. Alors, il y a quelqu'un qui fait des esquisses, il y a quelqu'un qui fait des encres, il y a quelqu'un qui fait de couleurs. Pour les bouquins comme Marvel et DC et tout Ah ça, ils oui. utilisent plusieurs artistes et c'est pour ça que c'est un peu plus rapide, un peu plus facile à faire. Mais pour les gens qui sont tout seuls, faire bande dessinée, comme RG avait un Oui, après studio il y a ses après, ateliers, ouais, mais Mosaïque. atelier, oui, mais Non, mais encore je maintenant, il y en a revais, plein. Et puis t'as dit franchement, Vincent Vincent May, Maguet, oui. il fait Mais tout seul ou il fait. quoi? Ben non, il, avant, ils ont longtemps travaillé en atelier avec mes amis Tom Ogoma, Bruno Mangyoku et Florent Remise, et puis d'autres. Donc ils étaient ensemble. Mais maintenant, je crois qu'il travaille dans son coin, dans des studios, mais il fait beaucoup de pubs en ce moment. Ah Il ouais. bosse pour la pub.
Il y a des artistes aussi comme Jillian Tamaki. Je ne sais pas si tu connais, elle est canadienne. Incroyable, Jillian Tamaki. Non. Tout ce qu'elle fait, c'est complètement elle-même. C'est elle qui fait. Et je ne sais pas comment elle fait parce qu'elle fait des dessins, beaucoup, beaucoup de dessins et faire des bouquins dans un an et demi. Mais des centaines de beaucoup beaucoup de dessins incroyables. Ouais, je sais pas elle est rapide. Je sais pas comment ils font. C'est non. Que, je pense à Sfar, on en parlait. Johan Sfar, il y a une productivité incroyable. Oui. Entre les romans qu'il écrit, il donnait des cours aussi à une époque. Hein, je sais pas si c'est toujours le cas. Les bandes dessinées qu'il fait. Donc oui, c'est vrai que c'en est impressionnant. Oui. Est-ce que tout est bon? Ouais, petit pic, c'est bon là-haut. Entre collègues. Maintenant, je dessine Gandalf et j'utilise encore un crayon, un fresco. Mais je regardais, ah oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais un chien. Un chien. Ouais, non, ça, il faut que je change un chien. Aparté. Non, non, je vais dessiner un Gandalf aussi. Ouais, pourquoi pas. Je vais finir Gandalf et après ça, je vais essayer de faire un chien. Moi, pour les chiens, c'est difficile parce que j'ai pas encore arrivé à un style ou une approche ou une méthode pour ajouter un peu de personnalité dans les chiens. C'est toujours, j'essaie d'avoir les formes qui sont correctes. Non, c'est pas compliqué, je lui ai mis des lunettes et il fume des clopes. Et c'est tout. Hein. Oh, il y a un attention. Truc de câble. Ah, c'est pas grave, je peux faire ça. Pas ah, voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. Alors attends, on a dit qui? Ah oui. Allez, c'est parti. Et les gens qui regardent, dis-nous s'il y a quelque chose que tu veux qu'on essaie de dessiner pour vous, on peut le faire. Oui, tiens, on peut voir si est-ce que ça. Parce que François il peut dessiner n'importe quoi. Oh. Et moi je peux. J'aime pas dessiner. Essayer. J'aime pas les dessiner des salles de classe et les escaliers. Ça j'aime pas. Allez, dans un escalier. Un escalier dans une salle de classe. Ça j'aime pas. Un escalier de spiral staircase, tu veux pas? En colimaçon. Voilà, tu peux faire ça. Ok. Et je vais regarder. Nous deux, François et moi, on a fait des dessins aussi pour les magazines. Ah oui, on veut. Et c'est différent de faire ça. Les autres formes d'illustration, la raison, c'est parce que c'est l'idée de quelqu'un d'autre, c'est une histoire. Il vous donne, voilà l'histoire. On a besoin de quelque chose qui va communiquer une partie de cette histoire ou l'idée grande de cette histoire. Tu parles d'articles ou pour les enfants ou pour les grands, tu parles de c'est ça ou plutôt pour les magazines comme les magazines de nouvelles Time Magazine, New Yorker, Atlantic, ah oui, des magazines, oui. des editorial on dit en anglais, en français je sais pas ce que c'est mais c'est une catégorie quand tu s'il y a ton art est à côté de quelque chose qui est écrit. Ah oui, et normalement c'est oui. Oui oui oui, si si, il y en a bien sûr. Je pense à 21 par exemple, mais c'est plus des reportages quoi. Nous oui, je sais OK. Pas trop s'il y a des nouvelles. Reportages, oui. Il y a peut-être des magazines qui font des nouvelles, je sais pas. Donc c'est souvent des reportages, c'est souvent très sérieux et moi en général on me demande pour justement enlever le côté sérieux du sujet pour ajouter une petite touche humoristique et poétique. Mais voilà. Oui. Je suis ce dessinateur. Mais la chose qui est un peu difficile pour ça, je trouve que c'est que normalement, ils veulent quelque chose rapidement. Ouais. Ils disent bon, on a cette histoire, on a besoin de quelque chose pour en 2 jours. Ouais. Et pour ça. Ça, moi, j'adore. Bah, moi aussi, c'est un challenge, mais aussi. Cette pression de l'imprimeur, là, qui en gros. Oui. Dépêche-toi, parce qu'il faut que. Enfin, il y a plein de monde, quoi.
dans un magazine, ils sont plusieurs à bosser, quoi. Et c'est vrai que si on est en retard sur un dessin, on met toute la chaîne en retard. Oui, oui. Et donc, il y a une sorte de pression et l'idée doit tomber juste et vite et j'adore. Ça, c'est un exercice que vraiment j'adore. Ouais, c'est cool. Ouais. Voilà encore, j'ai fini quoi, là, en librairie, là, il y a un magazine qui s'appelle le journal hebdomadaire Le 1, avec qui j'adore travailler. Oui. Et là, en ce moment, j'ai fait des Trump. Ça, c'est un épisode. Ah, oh, waouh. Ça parle de Trump. Le boss final, un peu, le Trump. Hein. Et. Ah non, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs dessus. Et ouais, j'ai dû faire des Trump le soir. Dans la nuit, c'était assez marrant. Et pareil, j'ai bossé hyper vite en C'est une sorte de caricature que tu as fait, ouais, et puis, très simple. Dedans, il y a encore 3-4 dessins de Trump que j'ai pas encore mis d'ailleurs sur mes réseaux. Il faudrait que je le fasse. Et voilà quoi, j'ai dû faire ça en une grosse soirée quoi. Waouh! Ouais. Mais c'est hyper chouette, moi j'adore. Bosser sous la contrainte du temps, c'est finalement. C'est très agréable, je trouve. C'est trop bien, comment. J'adore son visage là-bas. Ouais. Ah, excellent. Où es-tu, Bilbo? Tu m'as volé mes carottes. Mais pour moi aussi, la plupart de mon travail, quand je faisais beaucoup plus d'illustrations, c'était pour les magazines et pour les histoires comme ça. Et aussi les portraits des politiciens et des acteurs et tout ça. Et, j'ai très bien aimé la pression, comme tu as dit, Oui. de faire rapidement et avoir une idée qui Et marche. puis, Et... il y a un truc aussi, c'est que vu qu'ils sont pressés de leur côté, ils sont très réactifs. Oui. Et quand on leur envoie un croquis, dans le quart d'heure, il y a une réponse, on sait si on va dans la bonne direction ou quoi. Et ça, j'aime Oui, bien. oui, oui. Ça, j'adore. Est-ce qu'il y a des questions? Tranquille. Ah, c'est bien, mais vous avez raison, restez tranquille aussi, c'est Oui. bien. Vous avez bien mangé, c'est l'heure de dormir. Et on Ils font dessine. semblant de bosser, là, ils sont bien, ils ont mis ça en fond. Nikki avait une question pour Kyle. Oui. Est-ce que tu arrives à te retrouver avec tous tes brushes? Est-ce que tu hésites entre différentes brushes? Quand je veux dessiner quelque chose, est-ce que j'ai du mal à choisir, c'est ça? Ouais, des fois. Mais normalement, je... Non, je sais pas. Je pense pas trop. J'essaie quelque chose et dès que j'ai fait un marque, j'ai dit bon, ça marche et je continue. Non, mais c'est pour moi, c'est facile parce que c'est moi qui a créé toutes ces brosses. Alors, je crois que quand je suis en train de faire des esquisses, des idées pour le dessin, déjà dans ma tête, j'ai des idées pour les brosses que je vais employer pour faire l'image finale. Est-ce que... J'espère que c'est utile ce que je viens de C'est dire. très utile, Oui. très utile. Aussi, j'ai plein de brosses qui sont assez similaires, je crois. On peut faire des choses qui sont, ouais, pareilles. Comme par exemple, maintenant, j'utilise le Belgian Comics Brush. Et c'est un peu... C'est pas exactement ce que je veux. Mais je change mon style pour adapter, Oh. comment dire. Si, si, putain, c'est bien. Merci, merci. Je suis un vieillard. Non. C'est pas vrai. Non! Bah oui. Brave Gandalf. Blanc, gris. Océane demande combien d'heures de dessin par jour pour les deux artistes? Oh là Mais là. François, bien sûr qu'il dessine plus que moi Ça maintenant va parce du que j'ai quart d'heure. un... Non, mais c'est vrai, il y a des jours où ça va pas, quoi. Il y a des jours où non. je préfère me balader Oui. et faire des siestes. Oui. J'ai ce privilège de pouvoir faire ça.
Ça va du quart d'heure à la nuit complète, quoi. C'est un rythme. Enfin, c'est un peu éprouvant, faut reconnaître. Donc voilà. Voilà, Océane. Toi? Quand j'étais en train de faire beaucoup d'illustrations pour les clients, ça a dépendu toujours sur, oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui qui a demandé quelque chose? Est-ce que j'avais des projets? Si j'avais pas des projets, j'ai pris beaucoup de temps pour moi pour créer des projets personnels. Mais aussi, comme toi, j'ai pris beaucoup de temps pour moi simplement pour, oui, pour se promener Oui. et rester et On va être avec la famille et se balader après. oui, Ah, on va le faire. nanana. Je vais t'emmener au café. Nanana. Moi, je me balade beaucoup, moi. J'adore ça. Ah, Pa c'est Paris, ça nécessaire, s'y prête hein. vachement. La chance d'habiter ici. Oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose très beau à voir. Tout est vrai. Oui. Et moi aussi, parce que j'ai la chance, Ah. maintenant, j'habite en Allemagne, j'habite à Heidelberg. C'est Qu'est-ce qu'il y a à super. y voir là-bas? Qu'est-ce qu'il faut voir? Quel est Il y a l'incontournable? le pont vieil, la vieille pont, Le vieux pont le de la vieux vieille pont, ville du vieux et port. la Neckar, c'est la rivière, et il y a un château sur la colline Oh, qui est, ça me fait rêver. ah, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une spécialité? De Allez, il n'y a pas l'encre. l'encre, il n'y a pas un goûter, un truc. Pas vraiment, non, c'est juste, il est beau. Comme la plupart des villes en Allemagne, il y a beaucoup de saucisses Ben oui. et des patates. Ils ont un problème avec cet aliment. Et schnitzel. Ah, les schnitzel. Oui. Oui. J'adore les saucisses. Non, mais il fait très très beau là-bas. Et aussi, on n'a pas de voiture. Et quand on était aux États-Unis, on était toujours dans la voiture pour aller partout, partout, partout. Mais maintenant qu'on a des trams et des bus et des trains et tout ça, c'est magnifique. On n'a pas besoin. Bravo, ça c'est bien. J'adore. Les trains, c'est pas toujours. Ça dépend des grèves. Vous êtes un peu dur. Je trouve que le service ferroviaire est particulièrement efficace à Paris. Très cher. Ah non, vraiment. Je dis n'importe quoi. Je prends les lignes 13 tous les jours, moi. Ouais. Enfin, tous les jours, non. Alors maintenant, je vais changer de brosse et essayer quelque chose complètement différent avec des couleurs. Alors, tu fais maintenant quoi? Bon. Ah, saucisse! Ce garçon Bah, c'est un hobbit, il est mais trop drôle. c'est lui encore, c'est Bilbo qui va se nourrir. Ah. Je vais faire la table. Je Comment on dit dresse en la table. français, c'est quoi ça? Le menton. Menton. Ce menton, c'est drôle ça, comment c'est C'est fait? C'est excellent. un peu joufflu. J'adore. Ben oui, merci Et beaucoup. moi, je vais utiliser ces marqueurs chez moi. Est-ce Oui. qu'ils coûtent très cher? Ce sont C'est copique? des copiques Ciao. extrêmement chères. Oh mon Dieu. Oui, je crois qu'ils sont à 6 euros l'unité ou quoi. Oh Mais étant professionnel du milieu, je m'autorise un peu des excès. oh. Faut que je sois. Oui. Mais non, mais c'est vrai, quoi. C'est comme ce stylo plume, il va coûter un bras à l'époque. Mais vu que je m'en sers tous les jours, bon, bah. C'est le prix d'une PlayStation 5, ceci. Et même pas le pack avec le jeu, hein. C'est juste. Peut-être une manette ou deux, je sais plus. Mais c'est cher. 300 balles. Ouais. Avec les frais de port et tout, quoi. Mais bon, voilà, je le regrette pas. C'est la continuité de mon bras, un peu, cette histoire.
Moi, j'ai du mal avec les stylos qui... c'est quoi encore, t'as dit Stylo plume. Plume. Le problème, c'est que moi, je suis gaucher. Et quand je dessine, je fais ça avec mon poignet, c'est ça? Ah oui. Et je fais ça et j'essaie de dessiner. Il n'y a pas d'encre qui Ouais, oui. vient Ah sur le oui. papier. Ah, peut-être qu'il y a des stylos spéciaux gauchers, je ne me connais Mais pas je ne assez. sais pas, peut-être. Mais de toute façon, les gauchers, on le sait, sont des barbouilleurs et vous étalez tout. Ouais, Ah oui, vous êtes oui. sales. OK. Les copies de gauchers là, d'école primaire, elles sont souvent toutes dégueulasses. Regarde ça, c'est super drôle ça, comment tu as fait avec le chapeau et J'avais les lunettes. faim. bon, bah voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner d'autre de rigolo? Ben, je vois comment tu as utilisé le couleur. Je vais essayer de Ah oui, faire tiens, je ça vais essayer d'en mettre en ici en couleur. fresco avec des marqueurs Je vais parce mettre en que couleur, ça c'est une bonne idée. il y a des marqueurs dedans qui sont assez spéciales et ils n'existent pas en Photoshop. Parce qu'il y a un mode de mélanger les couleurs qui est seulement en fresco pour les marqueurs. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ça pour Photoshop, mais ça marche très bien. Et c'est assez réaliste. Quand je fais ça. Et si j'ai une autre couleur. C'est vraiment intéressant comment ça marche. Tu peux pas faire ça en Photoshop. Deux. Alors, Ah oui, de je peux pas mélanger. vraiment décrire. Il faut le faire toi-même pour voir comment ça, le sens de avoir vraiment des marqueurs réels. Comment les couleurs quand tu fais plusieurs Ah oui, marques, comment ça le elles viennent seulement superpose? ça. Oui, et c'est satisfaisant. Ça marche pas en Photoshop parce qu'on n'a pas ce mode de mélange les couleurs mélangées. Et aussi, tu peux voir comment c'est un peu bizarre, comment les couleurs sont mélangées comme ça. Et voilà. Alors, je vais essayer de faire quelque chose avec les marqueurs. Peut-être un chien. Ah, un chien. Oui, parce que tu as fait des chiens. Moi, je vais essayer de faire le chien. Qu'est-ce qui se passe en régie? Alors, je suis au moment où je me dis que je vais faire venir les gens et leur faire gagner des cadeaux. Quoi? Il y a des cadeaux à gagner? Ah, pourquoi? Parce que vous savez peut-être, mais on est en plein IAMAG. Il faut répéter ce que je dis, parce que je pense que je dois Ah être très oui. lointain. Ouais. Alors, apparemment, vous allez gagner des cadeaux. Parce que c'est IAMAG. Parce que c'est quoi IAMAG? Les masterclass IAMAG, où tu avais Ah. envie d'aller. Ah oui, c'est ce dont tu me parlais. Et ça commence Ça commence vendredi. vendredi. Et c'est où déjà? Châtelet? C'est au Forum des Forum images. des images. Il y a un truc là-bas. Et apparemment, il y a des cadeaux, mais c'est fantastique. Oui, mais pas pour nous. Enfin, c'est pas pour nous? Bon. C'est un tirage au sort. Quelqu'un a gagné déjà? Pas encore. Ok, il y a une question ou c'est juste un tirage au sort comme ça? Non, il va y avoir une question que je suis en train de mettre en place avec eux. Trop C'est pas très dur hein, comme question. bien. Ah, c'est souvent ça. On fait des questions faciles juste histoire de s'assurer Ouais. que les gens peuvent jouer. Alors, Niki demande si le cadeau ce sera un an d'abonnement au CC. C'est pas prévu. Et Gérald nous dit est-ce que c'est un dessin dédicacé à gagner? C'est pas prévu non plus. Et on peut pas découper ce carnet. Si, ça se découpe. Mais il nous dit qu'il va reprendre depuis le début, s'il a raté le début. Le début est très bien. La suite est pas mal. Je pas s'ils t'entendent. Je pense qu'ils m'entendent un peu, Ouais. mais il faut se concentrer. Oh là, mais j'ai jamais autant dessiné de ma vie, je suis fatigué maintenant. Ça y Ça est. va être l'heure de la sieste. Parce que tu as fait 20 dessins, moi j'en ai fait 3. Ça y est. Ça, c'est bien fait, ça. Comment on fait pour Oh. toi? Tu fais Et la voix de quand tes j'étais un. personnages? Hein? Tu fais jamais la voix de tes personnages quand tu J'étais juste en train de te dire la même chose. Je vais C'est te vrai? demander si quand tu dessines, tu fais des voix des Oui, personnes. Bah, ça oui, j'ai m'arrive, fait, oui. ça m'arrive. Quand j'étais enfant aussi, pareil. Mais ça continue Rien juste. n'a changé. Rien n'a Non, changé. non, pas ça.
du coup le tirage au sort. Oh. Il faudra répondre Paris ou Livestream. Ah oui, apparemment. Paris, si vous pouvez être sur Paris. Livestream, si vous pouvez être que sur le Livestream, parce que vous trouvez que c'est loin de Paris. Ok. Tu veux que je répète ou ils ont... Ouais, je pense, vas-y. Alors, il y a deux réponses, c'est ça? Ouais. Il faut dire soit Paris, soit quoi? Livestream. Livestream, ouais. Je connais pas la question. C'est dans le chat, dans le channel. C'est ça. T'as dit que pour ajouter un peu de personnalité, c'est seulement, c'est nécessaire simplement d'avoir un petit, Voilà. C'est tu mets ça. Et des lunettes. Des lunettes. Et ok. Si tu veux des lunettes, faut lui enlever les pupilles, comme ça, il fait plus prof. Ça, c'est un truc que j'ai piqué à, comment il s'appelle, ce génie, là? Un américain qui fait des dessins trop marrants. On parlait de Bill Watterson, mais c'est pas lui. Gary Larson. Gary Larson. Ah oui, merci, il avait toujours des lunettes sur les animaux. Oui, Gary oui. Larson. Oui, 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 les profs. Il, oui. Il enlève les lunettes et ça, enfin, il met les lunettes et ça rend tout le monde un peu stupide et sérieux. Oui, oui, oui. Ça marche à fond. C'est un génie. Gary Larson. Incroyable. Et mais tu sais, il a recommencé à faire. Quoi, c'est son, vrai? Sa bande dessinée. Oui, juste, je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais il a fait pendant au moins un an. Et en couleur, et je crois qu'il a fait avec Photoshop ou quelque chose comme ça, et c'était pas... Il a fait numérique, ouais. Ah. Mais les dessins étaient pareils. Et ça marche ou pas? Je me rappelle plus si c'était si drôle qu'avant. Ah oui. Si amusant. Gary Larson. Il faut lire du Gary Larson, c'est hilarant. Oui. Il y avait Cavana qui avait repéré à un moment, ils ont fait une petite édition française. Mm. La traduction vaut ce qu'elle vaut, mais l'édition anglaise est plus intéressante. Ah oui. Les jeux de mots et tout, ça marche un peu plus. Il y a parfois. Oui, parce qu'il y a des expressions. Et ouais, il y a des petits jeux de mots parfois, ouais. Mais c'est pas que ça. Et le dessin, il est efficace. Hein. Et c'est pareil avec les choses. On a parlé déjà des Tintin, mais quand j'ai lu Tintin en français, je lis Tintin en français, c'est un peu mieux. Simplement parce que c'était écrit en français. Oui, oui. Et, mais les traductions sont très, très bien. Très bien faites. Mmh. Mais ce n'est pas exactement pareil. C'est pareil avec Astérix. Ah oui, tiens, parce qu'il y a plein de, oui, il y a plein de. En plus, Goscinny là-dessus, les petits jeux de mots, je sais même pas comment. Oh, oui. Voilà, Guélard, oui, ça devait être. Toujours. C'est pour ça que ça marche pas, je trouve, moi, les jeux de mots. Ah. Ben non, ici, oui. Il faut les traduire et tout, je trouve ça. Oui. Puis ça date tout de suite quelque chose, je trouve. Ça... Ah, ben, ça, oui, c'est vrai. Je dessine plus de Seigneur des Anneaux, là. Maintenant, je fais simplement des tâches, des formes, et je vais réagir. Alors, je vois quelque chose, je dis, quoi faire. Mais attends. Tu vois? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Mais c'est un exercice très intéressant. Tu peux faire aussi des choses comme ça, tu peux. Est-ce que c'est quelque chose? C'est un poodle. Encore, je vois encore un chien. Oui, moi aussi. C'est un poodle. Ah. Et si j'utilise Smudge, je peux changer. Ah, apparemment, il y a un problème dans le jeu. Est-ce que quelqu'un a gagné le prix? Non, on avait perdu Nightbot. Il vient de d'éjecter Jean Moulin. Non, Jean Simoulin. Bien fait pour lui. Je vois qui c'est, tiens. Bien fait. Alors, François, est-ce qu'il y a un projet que tu n'as pas encore fait, mais tu veux faire dans ta vie? On en parlait, le Hobbit. Oui, ça, ça, mais tu as déjà fait des dessins et oui, c'est presque prêt. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Fantasy. Oui. Non, pas fantasy, non, mais moi, pour mes filles, j'aimerais faire un livre où elles sont les héroïnes. Ah, oh, j'en ai déjà excellent. Fait un où ma grande... Enfin, j'en ai fait un où l'héroïne est ma grande ah oui fille.
Mais entre-temps, il y a une petite là qui est arrivée. Oui, ah, okay. Et je sens qu'un jour il va y avoir de la jalousie. Sur... Mais pourquoi j'ai pas mon... Ah mon Dieu. Il faut que je me bouge pour faire un livre. C'est nécessaire, sinon, truc. Problème. Sinon, ouais, ça va créer des problèmes. Alors qu'elles s'entendent bien, là, je veux pas que ce soit de ma faute tout ça. Et donc oui, il faut que je fasse un livre où ce... Voilà, c'est ça qui est prévu. Bon, c'est pas pour maintenant, mais oui, c'est... J'ai déjà une petite idée, à vrai dire. Je sais à peu près ce que je vais faire. J'ai fait seulement un livre pour les enfants. Seulement un. Ça, c'est super. Moi, j'adore. J'ai... Un livre pour enfants, c'est... Ouais, c'est trop cool. Ouais, oui. J'ai un agent maintenant pour ça et... Il doit me détester. Parce que... Je suis trop occupé avec mon job, bien sûr. Que je l'envoie jamais des idées pour les bouquins. Il dit, est-ce que t'as des idées? Oui, j'ai des idées. Je vais t'envoyer quelque chose cette semaine. Et après, rien. C'est bien ça. Il est très patient avec moi. Ouais, c'est bien. Il faut les tenir au courant de rien, ils adorent. Mmh. Moi, j'ai un poodle. Avec smudging. Ok, je retourne à Gandalf. Je vais faire un Gandalf. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, bon, avec le droit que tu fais. Tu crois avec ton droit? Regarde, je fais de l'ombre. Ah, c'est cool ça. Ouf, il faut avoir les doigts un peu sales. qu'est-ce que je mettrais? Je vais peut-être mettre en couleur des trucs ici. Tiens, je vais faire une pause. Ah oui, pourquoi pas, oui. C'est qui ce mec avec qu'est-ce qu'il a sur tiens, sa tête en couleur, lui. C'est une couronne. C'est pour le livre. Attends, c'est bon. Ouais. Ah, ça c'est évident, mais lui, c'est des fleurs. Ah. Lui, je sais pas. Tiens, on dirait comme des bulles. Ou je pensais peut-être à des comme des plumes de paon à l'époque. En faisant, ça me revient maintenant. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais là? Ouais. Hop. Tu m'as inspiré, je vais faire un roi avec un... Avec des pans, une plume de pan. Je sais pas... C'est quoi peut-être... Si je me fais un bleu... Moi, j'aimerais bien faire une bande dessinée, mais j'ai pas la patience ou ni énergie. Ah, il faut vraiment. Et c'est ça le problème. Il faut vraiment s'y mettre, quoi. Ouais. Et puis bon, voilà, c'est vrai que c'est pas bien payé. Le non-statut en France aussi, c'est un gros sujet, ça. Quand t'es artiste-auteur, c'est très compliqué. Oui. Il y a pas de. Quand tu prends des vacances, t'es pas payé. Ah oui. C'est épuisant. Et bon, heureusement maintenant ça marche un peu pour moi, quoi, mais je me mets à la place de certains étudiants qui sortent de l'école tout motivés. Chapeau, quoi. Chapeau, hein. C'est tout. Quoi. Voilà. Ce que je veux, c'est que ma BD, c'est déjà fini et je peux le voir dans les magasins. Ah oui, mais ça c'est super. C'est le mieux, ça. Attends, tu commences par la fin. Oui, exactement. C'est ce que je veux. Est-ce que c'est possible? Peut-être pas. Peut-être pas, non. Alors. Même si je peux le faire, j'ai pas une idée pour l'histoire. Ah oui, c'est l'idée. Oui. C'est peut-être le plus important. Des fois qu'il y a des gens, je crois, les idées viennent de leur dessin. Ils sont en train de dessiner des trucs encore et encore et encore. Et après, il y a une histoire qui développe autour des dessins. Ouais. Et...
Moi, j'avoue que les idées, c'est pas trop mon fort sur le. Moi, j'ai des idées sur des. Enfin, moi, j'aime bien faire des dessins qui racontent quelque chose en un dessin. Tu vois. Un petit dessin marrant, ça, c'est top. Oui. Après, faire une longue histoire, oulala, ça aussi, je connais mes limites, on va dire. Et là, en ce moment, je suis en train de donc d'illustrer un livre écrit par un écrivain de talent qui est belge et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Mathieu Pierloutes, pardon. Je Pierre connais Loutes, pas. je sais pas trop comment ça se prononce, Mathieu, désolé. Pierre Loutes. Et Il t'a trouvé sur l'internet, il a dit alors est-ce que ouais, tu non mais veux ça c'est comme ça, génial. En comme fait, ça? moi j'avais j'ai fait un carnet aussi de recherche de dessins comme ça. Oui. Et moi aussi j'ai une agente en fait littéraire qui s'appelle Agathe Camus. Et Agathe, elle m'a orienté vers cet ami belge maintenant, qui était déjà sans trop le savoir. Enfin, je le savais pas, mais il aimait beaucoup ce que je faisais. Oui. Et donc le mariage a eu lieu. Non, non, on s'est tout de suite bien entendu. Et il a pris mes dessins pour écrire une histoire justement. Et Excellent. donc il y a tout un carnet de recherche. Ah bah attendez, je l'ai là en plus. Ah, cool. Je vais peut-être vous montrer des trucs. Oui, s'il te plaît. C'est Noël. Alors, attends. C'est Noël. Joyeux Noël à tous. On va ranger ce carnet. J'arrive pas trop à bien dessiner là. Ah ouais. Je sais pas. Ah, faut peut-être que je dézoome parce que là le format est différent. Oh, il y a des trucs qui tombent. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je vais m'arranger. Ah, T'inquiète c'est pas. ça? C'est Oui, ça va ça? être ça. Ça va être comme ça. Ah, cool. Alors attends. Et ça, c'est maintenant que je le fais. Ça. Ça, c'est le projet actuel. Ça va être un peu Oh, wow. des petites aventures. Là, il y a une idée très marrante que ma fille avait trouvée. On se baladait dans la rue et puis il y avait plein de petites cheminées sur les toits. Et elle avait appelé ça des chemignons, comme des champignons. Wow. Oh oui. Et d'ailleurs, bah voilà, je les ai dessinées parce que c'est les héroïnes de l'histoire. Là, c'est ma fille. Oh, C'est c'est la trop bien. petite. Et la grande, elle ressemble pas à ça. Oh, Mais là, c'est la cool, petite, c'est là, je l'ai cool. bien chopée là. Excellent. Et c'est pourquoi ça? Oh, c'était des idées de chapeau. Même le... Chapeautéière, je sais plus Tiens, c'est quoi, cool. poisson, tout ça. Là, j'ai trouvé une idée de déguisement. Ouais, Oh, c'est cool ça. ouais bah dans l'histoire, il y a des plantes carnivores. Ah bah ça rentre pile poil dans C'est le. bon, c'est vrai. On est bon là. Je suis pas mal. Tu me dis, hein, je crois que c'est C'est bon. très bon. Il y a un canard qui s'appellera Brioche. Un gros canard épais. Et il aura son rôle important. Ah bah voilà, tiens, elle ressemble plus à ça, là. Ça, c'est ma petite. Cléo, Lise, un Excellent. magicien qui s'appelle Excellent. Oxalis. Est-ce que c'est difficile de... T'as déjà un design pour un dessin, pour un personnage, de garder le Ouais. design, tu sais, Et bah parce justement, que ça vient d'animation? c'est pas tellement ça, c'est le Dessin plus dur, animé? c'est de se dire, c'est ce design que je vais garder pendant toute l'histoire. Oui, Et moi, oui. je sais que je vais avoir envie de changer des bricoles et tout à terme et tout, mais non, là quand même, il faut quand même que ce soit un peu respectueux du début jusqu'à la fin, Oui, quoi. parce qu'on doit le connaître, pardon. Bah oui, on doit les connaître et Oui. les reconnaître. Alors, je me dis Oui. aussi que ça peut jouer dans les couleurs, même si la forme change. Par exemple, je pense à quelque chose, un dessin animé. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a un dessin animé qui s'appelle Ren et Stimpy. Ren Ouais, and Stimpy. j'adore, j'adore. Comment dire, j'ai acheté les DVD. Ah bah voilà, Ah bah oui, parce que je regardais en lycée, c'était mon mais c'est préféré. trop bien. Et ben dans Ren et Stimpy, les designs changent constamment, quoi. Ouais, Et c'est pourtant on les incroyable comment reconnaît, ça et change. c'est pas grave. En fait, Ouais. ce qui vaut, c'est la forme principale et puis les couleurs, quoi. Donc je me dis Ouais. qu'on peut aussi, c'est pas bien grave si ça respecte pas trop les formes. Ça Enfin, c'est dépend, pas oui. trop Ouais. le design pur. Mais si on Oui. arrive à en changer des, enfin, ce que je veux dire, c'est que si on garde des codes couleurs et une forme un peu principale, Oui. un ovale ou une forme un peu carrée, bon, finalement, bon, on s'en tape un peu. Faut aussi qu'on s'amuse dans le dessin. Et si on s'amuse plus, bah, il faut faire une sieste. Ce visage est super. Des grenouilles. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait, bah, il va y avoir Les des grenouilles dans, il y a expressions. des grenouilles dans l'histoire que je suis en train d'illustrer, d'ailleurs. Ah, c'est cool les insectes. Ah oui, j'aime bien dessiner des insectes. J'aime beaucoup les insectes. Cool. Et c'est quoi ça? Ça, C'est c'est. hop, les Moi, hop. je suis à la recherche d'un. Artichaut. J'ai pas encore trouvé, mais il faut que ce soit un œuf. Et là, ça fait pas œuf, là. Ça fait plus petite pomme de pin.
Est-ce que tu préfères dessiner quand tu es chez toi, dans un bureau, dans une chambre spécifique, ou est-ce que tu peux dessiner n'importe où, tu es dans la chambre avec les enfants, dans la cuisine? En fait, j'ai un bureau officiel chez moi, un endroit, enfin une plaque, oui. quoi. Oui. C'est pas une pièce bureau, c'est une plaque, quoi. Oui, oui. Mais je dessine mieux finalement sur la table de la cuisine, ou sur mon petit canapé aussi, j'ai un petit canapé où je mets une planche. Oui. J'aime bien aussi. Et comme ça, multi endroit. Mais je suis un mec de la maison. je suis là, je suis dans la maison. Tu dessines pas au parc? Non, au parc, non. J'aime bien dessiner dans les cafés, quand même, de temps en temps. Oui. Et les bruits, ça te dérange pas? Les bruits dans les cafés? Non, justement, c'est agréable, ça. Okay, ce que j'aime moins, c'est sentir un regard, un peu, quand même, qui passe, se demander, tiens. Et ça, c'est la première image du livre. Ça, c'est super. Ça va être bien sûr, vive les Schtroumpfs, Peyo. Oui, qu'on me le dise, c'est parfait. Ça fait Schtroumpf et tant mieux, j'adore les Schtroumpfs. Oui, moi aussi. C'est quoi vos formations respectives de mon Océane? Ah, Océane, mais ça fait deux fois Océane. Alors, c'est bien Océane, bah merci. Mais j'en avais parlé tout à l'heure, je sais plus. Non, ah oui, donc c'était ce midi. Moi, ma formation, c'est que j'étais mauvais élève au collège. Et mes parents, en troisième, ont eu la bonne idée de m'écouter. Et donc, j'ai pu me spécialiser dans le dessin en faisant un CAP et un bac pro en communication visuelle. L'Initiative à Paris, école super. Et j'ai pu rentrer dans des imprimeries, faire des stages dans des boîtes de luxe un peu aussi. Ça, c'était chouette. Et après, j'ai fait une école qui s'appelle LISA, que je déconseille, pour apprendre le dessin animé. Et très vite après, donc ça a duré 3-4 ans, je sais plus. Et en sortant de là, j'ai vite trouvé du boulot dans le dessin animé. J'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Xilam. C'est ceux qui ont fait les Zinzins de l'espace et Oggy et les Cafards. Mais j'ai pas bossé sur ces séries-là, moi. J'ai bossé sur d'autres trucs. Et voilà, la formation. Oui. Fin de la formation et voilà. Maintenant je me déforme. Voilà. Alors. Oui, il faut dessiner. Ça va. Attends. Non mais c'est cool de savoir comment t'es arrivé à faire ce que tu fais. Pour tous les artistes c'est toujours différent, mais ce que je trouve c'est les artistes ils ont des chemins qui changent de direction, tu sais. Je commence par faire ça, je crois que je veux faire ça, mais tu trouves des fois la chose que tu veux faire, ce n'est pas exactement ce que tu as pensé que c'était, je veux dire, par exemple, dessin animé. Tu dis, dessin animé, peut-être que je veux faire dessin animé, mais tu commences à le faire et tu dis, mais c'est vraiment trop, hein. Ouais. Trop de dessin, c'est un peu trop stressant, tu réalises. Je pense qu'il y a différents profils, moi ça me correspondait pas beaucoup, mais il y a des gens qui adorent, hein. Il y a des gens qui sont là depuis dans les locaux et ça leur va. Et tant mieux, des animateurs de génie, des gars qui font des props. Il faut faire le truc, faire ouais, pour savoir. Ouais. Bon, c'est toujours un peu attirant, un vrai dessin animé, mais ouais. c'est On a parlé des bandes dessinées. Moi, j'ai fait une bande dessinée avec un ami. C'était 90 pages, tout en couleur, tout ça. C'était moi qui a fait tout le dessin. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que non, je veux pas faire ça, pas encore dans ma vie. C'était quelle heure, quel an? 2009. Mm-hmm. Alors. Mais j'ai pensé que je voulais faire ça toute ma vie. En fait, il faut. Parce que j'ai lu Tintin et Astérix et j'ai dit, c'est cool. Moi, si je devais en faire, je commencerais par des strips un peu, tu vois, des choses un peu plus. C'est différent, mais ça, c'est plus manageable. Alors, je crois que, Franck, est-ce que ça va avec le temps? Parce que je vois qu'on est un peu plus que. Ah, je sais pas. Une heure et demie. On a un peu débordé, mais c'est tranquille. Bah, on déborde non plus, alors. On n'a pas beaucoup débordé, vu que ça fait à peine 1h30 qu'on a relancé le stream. Ah oui, oui. D'accord, ok. Tout va bien. Ok. Et j'ai fait gagner les deux cadeaux. Oh, bravo. Un pour Thomas, un pour Delphine. Bravo Thomas, bravo Delphine. Félicitations. Des cadeaux. Et ouais, ça veut dire qu'ils vont avec nous? Alors, à Yamag. Il y aura Thomas avec nous à Yamag et Delphine tranquillement dans son ordi sur le live stream. Excellent, ok. Ouais, c'est cool, ça. C'est cool. Thomas, il peut venir dire salut. Ouais, Thomas, tu viendras le voir dans le
sur le stand. Il y a un stand Adobe au Ah, les Masterclass. arts. Il y a un cadavre exquis, on peut poser plein de questions à Kyle, il y a plein de choses à faire. Voilà. Excellent. Merci. Bon, merci à tout le monde et j'espère que vous êtes prêts à dessiner. Oui. Après regarder quelqu'un comme François qui le fait chaque jour et qui est vraiment très fort. Non, bah, c'est gentil, oh là là. Merci de votre accueil. Et, c'était très agréable ce moment. Oui, on est juste deux mecs qui dessinent. Parler de dessin, et de l'art plastique et des BD et toutes les choses qu'on aime. Ouais, vive le dessin. Ouais, voilà. Bravo. Il y a Océane qui veut ton t-shirt. Ah oui, et le mien, tout le monde s'en fout. Quoi? Elle veut ton t-shirt, elle veut le même t-shirt. Qui veut ça? Océane. Ah bah c'est vieux ça. On ne peut pas les trouver parce que c'était de... Quelle année? 19, je crois. Ouais. Dommage, désolé. Il faudra venir à Max Londres. Ah oui, ça commence bientôt. Oui. 23 avril. Max Londres, bon, 23 avril. Bon. Ok, ciao, ciao. Bisous tout le monde. Oui. Joyeux anniversaire, maman, c'est aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. À votre maman. Ah ouais, c'est coupé.